Bonjour. Mon épouse m'avait suggéré de faire un film sur la rénovation du bateau. Rénovation qui va s'étaler sur la période printanière et estivale de 2022-2023 et pour finaliser 2024. Après, nous le mettrons à l'eau. Voici l'endroit où se situe le bateau sur le chantier. Dans le petit cercle jaune, c'est bien notre bateau et les environs. Alors, pour avoir un chantier facile et monter facilement à bord, on m'a donné un vieil escalier que je rénove, que je retape, histoire de plus facilement monter. Premier travail, Nicole n'aime absolument pas les tissus du carré, des coussins du carré. Elle va commander un beau sky gris et va finaliser le travail elle-même avec une petite machine ménagère avec une finition professionnelle. Vous allez le voir, ses coutures sont parfaites. Vous verrez par ailleurs que même le petit tabouret de la table à cartes, voici les coutures, le petit tabouret de la table à cartes reçoit le même traitement. Alors bientôt, je vais vous montrer une lessiveuse, vous allez comprendre pourquoi. Alors, petite vidéo, simplement pour jouer un petit peu ma tête, mais c'est notre quatrième bateau. Et je dois avouer que c'est le premier où on a une petite lessiveuse et je vous assure que ça change la vie. Donc, comme à la maison, le samedi, c'est jour de lessive. Et alors, pour finir, le meilleur séchoir au monde, c'est-à-dire le soleil et le vent. Que demander de plus? Et en plus, point de vue timing, dans une demi-heure, tout est sec et il n'y a plus qu'à ranger. Voilà, commence pour moi à ce moment-là un très gros travail, c'est-à-dire gratter les coques jusqu'à la couche époxy d'origine, gratter tout cet anti-fouling qui s'est amassé année après année. Évidemment, il fait très chaud à ce moment-là. Je suis habillé comme un scaphandrier. Ça ne facilite pas la tâche. Et en plus, les positions sont relativement inconfortables, comme vous voyez ici. Je veux gratter tout pour arriver donc à la couche époxy d'origine et faire les petites réparations nécessaires. J'ajoute de l'époxy là où il faut. Voilà, tout est bien gratté. J'avoue qu'à ce moment-là, je suis heureux parce que je suis fatigué de ce travail. Après, je vais encore poncer les quilles. On va le voir, voilà, je le ponce avec une disqueuse, ça c'est nettement plus facile, ça va plus vite, je n'osais pas le faire pour les coques. Je vais les enduire d'époxy, et cet époxy, bien sûr, je vais également le poncer pour qu'il soit bien lisse, et histoire que l'année prochaine, quand je mettrai l'antifouling, cela accroche. Et je mettrai également de l'époxy sous les coques avant de mettre de l'antifouling. Alors ici, il y avait une grosse ligne bleue tout autour du bateau, vraiment très très laide. Je vais la poncer et je vais repeindre tout en blanc. Nicole m'aide. Elle cache tous les petits détails, histoire que je ne peigne pas dessus. Et voilà le résultat final. Viendra s'adjoindre une grande bande bleue après. Alors, travail du jour du capitaine, on repeint le pont avec une peinture grip. C'est une peinture qui évite de glisser quand on marche dessus. Hop, hop, voilà. Alors, je ne sais pas si on voit très bien le résultat parce que c'est évidemment c'est blanc sur blanc. Tout ça, ça a déjà été fait, ce côté-là. Et voilà le résultat final. Je pense que c'est réussi, propre et joli. Alors un ami du chantier vient mesurer le degré d'humidité des coques. Et mesure faite, parce qu'il va mesurer partout sur les coques, il va me dire que les coques sont plus sèches que du pain grillé. On le voit d'ailleurs sur l'instrument, que ça situe dans la zone verte, c'est-à-dire entre 3, 5, 6% gros maximum. C'est vraiment magnifique pour un vieux bateau. Alors là, nous partons au restaurant avec Nicole et des amis. Eux sont en moto, nous autres en vélo, parce que sur un chantier, on ne fait pas que travailler. Il faut en profiter un petit peu aussi.
Alors à la sortie, Nicole se paye la porte d'entrée. Nos amis ont filmé l'incident. Et tout doucement, on va retourner à notre bateau. Bien, vous pouvez voir, c'est Nicole qui mène en tête de peloton. Allez Nicole, plus de 300 km, on y est presque. Hein. Et pas de vélo électrique pour Nicole, hein, vous pouvez remarquer. Uniquement avec la force des jambes. Hein. Nicole, qui est une artiste dans l'âme, aime bien s'approprier les choses. Et elle va décorer l'entièreté du cockpit en peignant à la main une sorte de nœud marin tout au long, tout, un petit peu partout, même autour des hublots. Ça va donner un petit cachet spécial au bateau, un joli petit cachet. Ça va lui demander beaucoup de temps et ça va lui demander beaucoup d'efforts malgré tout. Elle va bien choisir les nœuds. Et voilà, le travail fini. On va voir maintenant autour des hublots. Elle peint. Et vous allez voir qu'il y a même une jolie petite tortue au bas. Le souci du détail. Alors, les housses ne plaisent pas à Nicole, les housses de siège, de cockpit. Elle va faire d'autres housses que par après, d'ailleurs, elle va également recouvrir d'une housse plus confortable. Elle va se servir du reste pour faire les tiroirs de la cuisine. Aujourd'hui, je comptais me reposer. Et au lieu de me reposer, comme j'ai toujours mon esprit en ébullition, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire une protection pour le nouveau pleutaire que nous avons installé, qu'on nous a installé plutôt. Et je me suis dit, une petite protection de plus, avec des chutes, puisque c'est ce qui me restait des protections de winch que j'avais fait. Voici, une protection pour les manettes de moteur, protection pour le plotter qui sont raccord avec les poupées de winch. Nicole peut vraiment être très fière de son travail. Alors, voilà le résultat des coussins terminés. Je suis bien amusée à les faire, j'avoue, c'était sympa. Et on a choisi un tissu éponge. Ah, c'est pas trop chaud pour l'été, c'est agréable de toucher. Voilà, la nouvelle sellerie de cockpit terminée en tissu éponge, coussin, petit coussin rond. Alors ici, un petit message subliminal pour les distraits. Alors, coussin encore. J'étais dans ma folie coussin, j'avoue. Voilà, là Nicole se lance dans la confection des chaussettes de parbattage. Et comme il y en a beaucoup, il y aura beaucoup de chaussettes. Voilà, maintenant la chaussette est terminée, je vais l'enfiler. C'est là où on va tout de suite se rendre compte que les petits sparadraps sont bien utiles. Ça ne doit évidemment pas être trop facile à mettre parce que sinon, ça veut dire que c'est un petit peu trop large. On se bat. Voilà, les petits pansements, ça aide bien. Voilà, que faire. J'ai pris un jersey très épais. Et voilà, c'est fait. Voilà, il n'est pas beau, mon barbatte. Il est paré pour l'hiver. Il est habillé pour l'hiver. Et voilà les 12 parbattages avec leurs jolies chaussettes. Une jolie barre à roues dans un cockpit, c'est important. Et Nicole va en faire une magnifique de barre à roues. Alors, un nouveau travail, un beau travail, je pense. Remplacement du cuir de la barre. Donc ça, c'est l'ancien. Voilà, un petit peu à bout de course. Voilà, remplacement par ce cuir ici. J'ai commandé une chute
Il est très très beau. Nicole prépare son travail. Nicole est en train de faire le cuir de la barre à roue. Alors, hier c'était découpage et poinçonnage. Aujourd'hui, c'est placement sous la barre à roue avec un point croisé pour faire plus joli. Moi, je vais faire un petit zoom avec deux aiguilles. Avec deux aiguilles. Voilà. Alors voilà, Nicole arrive à la fin du recouvrement de la barre par du très très beau cuir. Elle est presque au bout de ses peines, mais quel résultat. J'ai plus de doigts, ça c'est sûr. Mais quel résultat magnifique. C'est vraiment un travail de professionnel qu'a fait Nicole. Et comme à son habitude, Nicole pousse la finition dans le moindre détail. Alors elle va faire une protection de la barre à roue. Voici déjà l'ébauche. Elle va le peindre à la main avec une peinture spéciale, une peinture qui résiste à l'eau. Vous allez voir le résultat final, le voici. Et elle va faire des coutures invisibles, c'est-à-dire à l'arrière et sur les côtés pour les zips. Donc quand ce sera placé, ce sera fait de manière professionnelle. De mon côté, j'ai constaté que les câbles étaient fort abîmés, il y avait des gendarmes. Donc je les remplace. Travail pas compliqué, mais il faut un petit peu faire le spéléologue. Et je vais pratiquer dans la paroi qui donne dans le carré une ouverture pour accéder plus facilement à la barre à roue, à la chaîne de la barre à roue et ainsi qu'au câble. Je ne comprends d'ailleurs pas comment ça n'a pas été fait d'origine. Voilà les câbles remplacés et j'en ai profité pour repeindre les protège-moteurs. Alors sur un chantier, on ne fait pas que travailler sur son bateau. De temps à autre, on a donné un coup de main à un copain. Et là, je monte au mât difficilement parce que le winch qui me hisse est très petit. Donc je dois vraiment faire un gros effort avec mes bras. Je devais remplacer une poulie en haut du mât qui est défectueuse, ce qui va lui permettre de réhisser sans problème son génois. Alors, autre travail ici, c'est remplacer les trampolines. Plus exactement, remettre un nouveau trampoline au-dessus de l'ancien, parce que l'ancien n'est pas fort abîmé, et j'ai suffisamment de place que pour placer le nouveau trampoline. Ça va donner un trampoline beaucoup plus dur, beaucoup plus ferme, beaucoup plus solide. Là, je remplace également tous les bois, arrière et avant, car les anciens sont fort abîmés, fort usés. Ça se voit, ils ne tiennent quasiment plus. Je vais remettre des vis, et voilà le travail. Et voilà le travail final. Philippe, nettoie les winches. Avec Corto comme aide. Alors, petit Corto, comme assistant. Normal, hein? Parce que c'est notre petit mousse en chef. Il apprend le nave. Alors, que fais-tu exactement? Je démonte le winch pour le nettoyer. Parce que il faut bien nettoyer tout ça au bout d'un moment. Pas très facile avec notre petit bidon. Mais c'est faisable. Voilà, je vais me rendre compte durant la rénovation des winches qu'il y a une mâchoire qui est totalement fendue. Je vais faire une nouvelle mâchoire dont je ne suis que moyennement content vu la finition, mais qui fait le taf. La mâchoire prend bien les cordages. Alors là, je remplace les plexis arrière des deux moteurs par des nouveaux, évidemment. Le résultat final va être assez joli, voilà. Et Nicole va me faire deux belles housses pour protéger le hublot, histoire de ne pas les griffer trop vite, puisqu'on monte par l'arrière
et on doit passer juste au-dessus, voire dessus évidemment. Je remplace également les plexis des hublots avant, les deux hublots qui s'ouvrent. Pas facile. Et je vais également faire remplacer les quatre grands plexis du carré. Ils sont faïencés, ils sont fendus. C'est pas très joli d'abord et ça peut même être voire dangereux. Je vais faire appel, voilà, ça c'était à l'origine, c'est même pas très joli avec ces petites vis, ça fait un peu vieillot. Je vais faire appel à un monsieur qui sait tout faire. Voilà, ça ce sont les dimensions des plexis, donc c'est pas quelque chose de petit. Je vais faire appel à un monsieur, Philippe Kofek, il sait tout faire. Quand je dis sait tout faire, c'est un charpentier de marine, mais il sait faire plein d'autres travaux. Et je vais, avec lui, on va, donc là il gratte, voilà Philippe Kofek. Et on va remplacer à deux, surtout lui, les pare-brises. Alors les grandes manœuvres continuent, parce que maintenant c'est plus ardu, parce que ce sont les grands, et en plus ils sont incurvés, donc ça va être un régal déjà de les décoller, et après de remettre les nouveaux. Malgré le fait que la veille j'ai avec un cutter passé et repassé dans le Sika, le lendemain, quand on doit enlever le pare-brise, le plexis, c'est vraiment très compliqué. On tape comme des sourds et malheureusement, ça casse par morceaux. C'est impossible de l'avoir en entier. C'est pas très grave en somme, puisqu'on doit quand même le remplacer. Vous voyez comme ça colle bien, le Sika, c'est vraiment quelque chose d'incroyablement collant. Alors voilà, ça c'est quand de l'intérieur, quand on enlève les morceaux. Enfin, c'est enlevé. Alors bien sûr, il faut nettoyer tout ça. Nicole après aspire bien pour ne plus qu'il y ait de crasse, parce que le Sika, c'est une belle saloperie. Ça colle peut-être très bien, mais sur le pont, ça fait des vilaines taches. Alors là, Philippe prépare le Sika de nouveau pour coller le pare-brise. Et vous allez voir, il a un truc absolument incroyable, parce que vous avez remarqué que le pare-brise est incurvé et que quand on reçoit ce plexi, ben le plexi est plat évidemment, donc il faut le mettre en forme, il faut le former à la forme du bateau. Et bien, il a un incroyable truc avec une marmite à pression qu'on fait chauffer bien sûr, et dedans on a mis deux torchons, vous allez le voir, ces torchons vont arriver bouillants et on va les placer sur le plexi. Les voilà, je place les deux torchons, d'ailleurs je me brûle un petit peu les mains au passage. Je vais placer les deux torchons sur le plexi et pendant que je fais ça, on voit que le plexi est en train de se plier, de se former. Et quand on va placer les deux plexis, donc on va un petit peu le laisser chauffer là, et quand on va les placer sur le bateau, à l'intérieur, Nicole, avec un gros sèche-cheveux ou un décapeur thermique, je ne m'en rappelle plus, chauffe également. Philippe a préalablement mis deux bois, histoire pendant 2, 3, 4 jours de tenir le plexi bien en place pour qu'il se forme à la forme du bateau, à la forme du pare-brise. Voilà, là on appuie bien, on le met bien en dessous. Je l'aide, c'est Philippe qui fait tout, mais moi je l'aide un petit peu, je joue à la petite main. Voilà, là il est en train de visser le bois qu'on a vissé dans les montants du bateau. On va appliquer bien sûr le plexi. Voilà, je montre en temps réel. Si un jour vous avez l'occasion de devoir remplacer vos plexis, ben vous saurez un petit peu, peut-être un petit truc pour pouvoir le placer soi-même. Ça paraît pas évident et pourtant, quand on a les petits trucs, c'est simple. Là, on plaque le plexi. Nicole de l'autre côté chauffe. Vous ne l'entendez pas, j'ai coupé la bande son parce que ça n'a pas d'intérêt. Ça fait beaucoup de bruit, ça s'arrête là. On place le pare-brise. Voilà, on place le plexi. J'appuie fort. Voilà. Philippe me donne des indications.
on pousse tout doucement, voilà. Et Philippe va venir de l'autre côté pour faire la même chose, c'est-à-dire le faire tenir avec un bois. Et 3-4 jours plus tard, on va enlever ces bois et le pare-brise va être parfait. Alors évidemment, j'ai plein de cigares. Ça, quand on travaille avec ce genre de colle, c'est presque immanquable. Philippe regarde si ça s'est bien positionné. Voilà, je lâche ma main. Tout a l'air d'être parfait. Un dernier petit serrage, parce qu'on va laisser ces bois pendant plusieurs jours. Je regarde un petit peu que tout se positionne bien. Voilà, dernier petit coup de vis. Et Philippe enlève les plastiques de protection. Je le remercie ici à travers ce film parce que c'est vraiment un artiste. Je suis vraiment heureux de l'avoir rencontré. C'est un monsieur qui sait tout faire et qui a des idées pour tout. Si vous allez un jour à Navy Service, essayez qu'il vous fasse les travaux, c'est vraiment un artiste. Voilà, on regarde. Comme il me dit, c'est gagné. Je lui pose 2-3 petites questions, il regarde. Tout est parfait. Et Nicole vient voir, toute heureuse, que nos pare-bris soient enfin remplacés. Et voilà le résultat final. Bien sûr, là, c'est avec la peinture, avec le petit bord bleu. C'est le résultat totalement final, ça. Ça se passera quelque temps plus tard. Nicole et moi, on est vraiment très, très heureux du résultat. C'est non seulement propre, joli, mais en plus beaucoup plus sécuritaire. Et puis, on voit à travers les pare-bris. Beau travail. Je suis content et Nicole aussi. Je vais également remplacer les hublots latéraux, les 4 hublots latéraux de pont qui donnent et dans les cabines arrière et dans les salles de douche. Ça, ce sont les Canadairs. Je ne peux m'empêcher de faire un petit hommage à ces véritables héros du ciel qui pour moi sont des héros, il n'y a pas d'autre mot. Regardez comme il passe bas. Ça, c'est l'anti-moustique de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Alors, c'est parti pour le retapissage du carré. Ça va être galère, mais on va y arriver. On est le plus fort. Souhaitez-nous bonne chance parce que on n'est pas sorti. De l'auberge. Et pas espagnol. Voilà le résultat final, voilà ce que ça donne, avec une déco que Nicole a trouvée, je trouve que c'est joli. Avec un rideau que Nicole a ajouté, vous allez le voir dans son entièreté, voilà derrière Nicole. Et on s'attaque au côté tribord maintenant, on a enlevé tout l'ancien végrage, et on va placer le nouveau végrage, là on l'a fait courte, voilà, avec une déco relativement similaire. On là, place le sol du carré. On recommence. Ouais, bon, allez, on va être honnête, on recommence. Parce qu'on avait placé des lattes, mais qui étaient complètement foireuses. Donc, on a tout recommencé, plus intelligemment. Et voilà. Voilà le résultat après une petite journée de travail. Ce n'est pas fini, mais on est déjà fiers du résultat. Avant, et c'est ça. Et maintenant... C'est comme ça, c'est quand même vachement plus joli. Hein. Voilà, le travail est achevé. Et voilà le résultat final avec une petite carpette. On aime bien ça, c'est une carpette imputrescible, donc ça peut être mouillé, ça ne risque rien. Ici, Nicole prépare les rideaux de coursive avec, comme d'habitude, sa finition parfaite. Là, on voit encore l'ancien végrage et les anciennes lumières, mais les rideaux sont déjà neufs. C'est déjà beaucoup plus joli, évidemment.
vous allez voir, avec une jolie finition, avec un bouton pression et une embrasse. Ma petite épouse adorée est en train de faire les tapis de salle de douche et les tapis de chambre. Il lui manque encore le passepoil. Alors ce n'est pas passepoil que j'aurais dû dire, mais bien... Un billet, exactement, le rebord. Il y a d'un côté mais pas de l'autre puisqu'on l'a découpé. Et maintenant, Nicole va, avant de mettre le billet, brûler le rebord puisque c'est un tapis imputrescible. Important pour un bateau, évidemment, ce qui permet de rentrer les pieds mouillés, mais ce qui permet également de le nettoyer à l'eau, simplement. Nicole brûle le bord. On n'a pas plus comme un cordage. C'est le même principe qu'un cordage. On le brûle toujours, on n'a plus qu'il s'effiloche. Eh bien, on fait strictement pareil avec le tapis de salle de bain et le tapis des cabines. Alors, après un beau travail de plafond, comme on voit ici, dans les coursives, nous passons à la phase suivante, c'est-à-dire mettre du nouveau vaigrage. Mais d'abord, encollage. Et c'est le capitaine qui s'y colle, capitaine qui souffre dedans son corps, parce qu'il s'est fait très mal au dos, escalier, en tombant du bateau, carrément. Avec le petit chien, mais rien. Comme il le dit lui-même, le phénix qui renaît de ses cendres, voilà. En tout cas encore, et qui travaille. Ici Nicole et moi enduisons consciencieusement la paroi de colle, histoire que le tout tienne bien. Et voilà. Final le capitaine armé, armé de son fixole. Voilà. Ah là, là. Bon. Là, on va faire une belle couture. Voilà la fameuse couture que nous avons appelée couture Nicole, parce que c'est Nicole qui l'a inventée, et qui unit les différents laits de vaigrage. Donc, c'est-à-dire que tu dois appuyer ici. Avant d'appuyer chez toi, avant de passer chez toi, tu dois appuyer sur le bord ici, sur l'arrondi, pour qu'il y ait assez de tissu. Voilà, de toute façon, il y a trop, mais ça ne sert à rien, on peut couper. Attends, on va voir ce que ça donne ici, je ne suis pas sûr. D'abord, bien avoir fait l'arrondi. Non, mais c'est parce que j'ai de la colle, j'ai peur de... Ah, mais on ne te voit même pas, regarde, le capitaine, il est là. Coucou. Papa, il est là. Cool, là, si tu veux bien, appuie-le bien, que je vais descendre. On y est? Et voilà, la coursive terminée entièrement. Avec le panneau de porte, de douche, également avec sa petite décoration. Voilà, voilà. On voit également le plafond terminé. On voit beaucoup mieux comme ça. Petite vidéo de la deuxième coursive. La coursive tribord. Et on me voit dans le miroir de la coursive, là-bas au bout. Voilà ce que ça donne avec le tapis. Et voilà. Voilà, il y a deux contacteurs par couloir, par coursive, qui servent à allumer les lampes LED pendant la nuit, donc on ne doit pas s'occuper d'éteindre ou d'allumer. Et voilà, les LED sont ici en dessous. Et la même chose de l'autre côté. Nicole est en train de refaire le vaigrage de notre cabine. C'est pas facile. Même pas facile du tout parce que la hauteur, c'est au pied du lit, est quand même relativement faible. Ah, Nicole met le vaigrage sous le... Kékette. Ah. Kékette, d'après Nicole. Mais ça allait.
beaucoup de patience, beaucoup d'efforts. On est les plus forts, on est les plus... Dernière ligne droite de la cabine proprio. Tapissage du végrage au plafond. Parce que cette couleur vert, pour dormir, moi, ça me fout la gerbe. Donc, on change tout. Voilà, voilà. Et comme ça, on voit les belles finitions qu'on a faites un peu partout. On a presque fini. On est assez fiers du résultat. Alors, voilà, la première bande est posée. Et à notre grand étonnement, c'était pas aussi galère qu'on ne le pensait. Ne filme pas le bord. C'est trop tard, c'est filmé. Bah, le bord n'est pas encore joli, mais il sera joli. Les finitions, c'est toujours ce qui rend encore plus joli. Hein. Et voilà le résultat final de la cabine propriétaire, celle qu'on occupe. On a même installé la télévision. Je crois que c'est une belle réussite. Rénovation de la deuxième cabine avec un petit assistant. Ouh, moi je peux t'adorer. Qui assiste le capitaine. Alors, la même chose que notre cabine principale, un simili-cuir à la place de... on voit pas ici, mais en fait, c'est du tapis plein. Alors, c'est la joyeuseté des acariens. Donc, on a décidé de tout enlever. Voici le résultat presque final. Car la tête de lit doit encore être changée. Nicole voudrait une tête de lit comme le pied de lit, c'est-à-dire un peu plus chamarré. Vous allez voir, la tête de lit là est unie. C'est simplement le végrage d'origine, enfin le végrage qu'on a remplacé. Mais vous pouvez constater que même les parois des armoires, les portes des armoires ont été décorées. Tout a été fait pour que ce soit joli, confortable. Ça, c'est la cabine arrière. Tout a été remplacé également. On a refait le végrage de toutes les parois. Vous ne m'en voudrez pas si la transition avec le sujet suivant est un petit peu brutale. Mais durant l'hiver 2022, quand nous sommes rentrés en Belgique, nous avons perdu notre petit Will, mon fidèle compagnon de 3 transats, que j'aimais vraiment énormément, qui m'a suivi partout, et mon épouse aussi, bien sûr, pendant 12 ans. Le voilà, je le reverrai plus jamais. Bien sûr, nous avons un autre compagnon maintenant, mais croyez-moi, ce fut très très dur de nous séparer de lui. C'était vraiment un gros crève-cœur. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi, mon bébé? Tu veux un... Tu veux quoi, mon bébé? C'est quoi ça? Alors maintenant ici ce sont les salles d'eau, les petites cabines de douche. Nicole voulait dans celle-là, dans la bâbord, un carrelage métro avec un joint métro. Je crois que j'ai réussi l'exercice. Ça donne un petit côté très lumineux. Décoration que Nicole a voulu ajouter. Et là, c'est la cabine tribord, la salle de douche tribord. Aujourd'hui, grand jour, on va nous apporter notre nouveau bimini et nous l'installer. Donc, je filme d'abord comme c'était, comme c'est maintenant encore, notre ancien bimini, un petit peu usé. Usé de partout,
le contour de toile légèrement usé aussi. Tu peux même déchirer de partout. Voilà. Alors, ça, c'est l'ancien Bimini en toile, mais cette fois-ci, on aura un Bimini en dur. Et voilà comment il est à l'extérieur. Il a bien vécu. Pour des motifs tant pratiques qu'esthétiques, je ne voulais pas d'une toile comme Bimini. Alors je fais appel à cet artiste qui est Philippe Coffec, qui va me confectionner de main de maître un Bimini rigide en fibre de verre, donc très résistant et en plus qui s'adapte au montant que j'ai déjà. Parce que ce n'est pas évident, on ne se rend pas bien compte comme ça, mais les hauteurs ne sont pas partout les mêmes. Philippe m'a expliqué que ça s'appelle un bouge, et il a dû calculer ça quand il a confectionné le Bimini. Donc ce n'est pas une simple plateforme toute plate. Ici on enlève les anciens panneaux solaires. Un peu plus tard je vais les remplacer par des panneaux souples, beaucoup plus légers, beaucoup plus faciles à installer, en plus plus puissants. Là on les place simplement à l'arrière en attendant, histoire d'enlever cette toile. Et là, on voit très bien le passage où je pouvais mettre les pieds quand je suis en navigation. Vous vous rendez compte que c'est vraiment très étroit et relativement dangereux parce que, à côté, vous passez à travers la toile, évidemment. Alors là, explication de Philippe de comment on va placer le Bimini parce qu'il est très long et très large. Le voilà qui arrive. Philippe a bien sûr s'est fait accompagner d'un copain qui est fort comme un turc. On va le hisser à 3 avec une petite visite de Corto qui vient voir comment tout se passe. Nicole le rappelle. Voilà, ça pèse quand même son poids. Philippe et son ami montent à bord et on va le hisser. En plus, pour le moment, il y a un petit peu de mistral, le moment où on a hissé ça. Donc, il faut faire attention. Voilà, on le hisse, hissé haut. Ça va bientôt rentrer. Philippe passe de l'autre côté, va le tirer. Son ami et moi, nous retenons. C'est presque gagné. Ouf, là, il est pratiquement en sécurité. Vous le voyez à mes cheveux, le Mistral souffle. On regarde si c'est bien placé. Philippe a une petite appréhension, évidemment, puisqu'il n'a pas encore pu l'essayer. Mais vous verrez que plus tard, ce Bimini a vraiment été fait de main de maître et ça va s'adapter merveilleusement aux arceaux préexistants. Voilà, là on met des sangles parce que le travail de fixation va être fait non pas le même jour mais le lendemain si je me rappelle bien. Là Philippe met des serre-joints, on protège le dessus du Bimini avec des petites plaques de bois, ne pas l'abîmer. Alors on fait coller le Bimini tout doucement aux arceaux sans forcer. Voilà, il est déjà presque jointif partout. On se rend compte que le travail était bien fait. Voilà, là on commence, Philippe commence à fixer le Bimini. Tout va se faire très facilement. Là, l'air de rien, c'est moi qui sers de serre-joint. Avec mon poids, j'appuie. Comme ça, Philippe peut fixer facilement les boulons. Et là, je commence à le décorer. On ne se contente pas, nous autres, Nicole et moi, de laisser les choses en l'état. Il nous faut notre petit bord bleu. Nicole fait des petites bulles, mais qui ressemblent à des planètes, pour faire joli. Vous verrez quand c'est fait dans l'ensemble.
Ce sera une très jolie finition. Ça, c'est le côté artiste de ma petite femme. En plus, c'était pas facile de peindre parce qu'il y avait tellement de vent que la peinture était soufflée par le vent. Regardez comme c'est joli. Là, je place la ralingue avec de la colle spéciale. Cette ralingue va nous servir à faire tenir le taux. Et je peins la ralingue en bleu, évidemment. Voilà, c'est terminé. La ralingue est peinte et les bords aussi. Et là, les panneaux solaires souples sont placés. Deux fois 130 watts de chaque côté. Et voilà le nouveau contrôleur MPPT que j'ai placé avec une liaison sur mon smartphone et qui me dit quand les panneaux chargent. Voilà, ça c'est ce que j'ai sur mon smartphone. Ce jour-là, pas beaucoup de soleil. Ça c'est un ami. J'ai voulu faire aussi un petit hommage parce que c'est un monsieur d'une gentillesse mais incroyable. C'est gai de rencontrer des gens aussi gentils. Là, je peins l'avant du bateau. On a décidé de lui donner un petit caractère un petit peu agressif, vais-je dire. Et on va faire la même chose à l'arrière. On ne voulait pas que tout soit blanc. Et voilà, quand c'est terminé. Je trouve que c'est une belle gueule. Et on a même mis des sortes de petits mandalas à l'intérieur. Là, Nicole maroufle le nom du bateau. Et comme j'ai refait les coquerons arrière, j'ai repeint, on a mis également le nom. Le sol est également repeint, refait avec de l'époxy. Tout a été rénové, entièrement. Voilà. Ma tête cache un peu, j'ai écrit là, moi, enfin. Les pousseurs. Ah oui, il n'y a pas d'ici. Oh, d'accord. Voilà. Là, on voit tout. Voilà. Voilà. Ça, c'est bien. OK. Ici commence un énorme travail pour Nicole. Elle va confectionner le taux de cockpit en toile. Ici, vous voyez les plans. C'est elle qui les établit. La manière de faire. Avec les découpes, avec les dimensions. Ici, je l'aide un tout petit peu dans la confection du gabarit. C'est pour le positionner dans la ralingue, pour voir à quoi ça ressemble et pour prendre les mesures, évidemment. Tout le restant va être fait avec une petite machine à coudre non industrielle. Ça ne fait que renforcer la valeur de l'effort. Alors, on a placé déjà une moitié de bâche plastique pour faire le contour de cockpit. On a bataillé ferme, mais on y est arrivé. Un vrai travail d'équipe. Voilà, ça tourne très bien. Et voilà, le petit film de près. Il faut dessiner la fenêtre après pour être sûr d'aller au bon endroit. Parce qu'on va faire une petite fenêtre là. On va déjà la dessiner parce qu'on a déjà dessiné la porte aussi. Ici, Nicolas a voulu absolument filmer tout ce qu'il fallait pour réaliser le fameux taux. Ici, un exercice qu'elle a déjà fait. Il faut des pontées, il faut de la bâtiline, il faut beaucoup de toile, il faut des sangles, il faut du fil à n'en plus finir. Il faut des zips, c'est incroyable le matériel qu'il faut pour réaliser ce fameux taux. Alors, premier panneau de cockpit terminé. Le résultat est pas mal. pour un premier geste, la première fois que je faisais ça. Franchement, je trouve que Nicole est bien trop modeste. Parce que le résultat final est splendide.
Elle a fait des fenêtres, elle a fait vraiment tout ce qu'il faut pour que ce taux soit splendide. Il n'y a aucune erreur. Elle a fait même des renforts en cuir, comme on voit légèrement ici, pour que ça ne s'use pas trop vite, parce qu'avec le vent, tout s'use. Il y a deux portes latérales. Vous voyez, c'est vraiment une finition plus que professionnelle. Vous voyez ici le petit renfort en cuir, mais il y en a plusieurs. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai placé les petits pontets pour qu'on puisse mettre les sangs. Voici le pare-brise ici. Voilà de l'intérieur ce que ça donne. Je trouve que c'est non seulement joli, mais en plus cosy. On a vraiment une pièce en plus maintenant avec ce cockpit, ce qui n'était pas le cas au préalable. Nicoletta est une amoureuse du détail, elle a peint notre scie sous les caches hublots latéraux. Alors ça, c'est la table à cartes nouvelle avec un nouveau plotter et l'ancienne commande de pilote. J'ai mis une nouvelle commande de pilote au poste de barre. Axiome 7, c'est le pendant de l'axiome 9 que nous avons au poste de barre. Et bien sûr, j'ai fait installer un AIS classe B qui me permet de voir les cibles qui sont autour de nous. Ici, vous voyez, ça apparaît en vert, les petits triangles verts, ce sont les cibles AIS qui apparaissent. Et à l'arrière, vous voyez, c'est le sigle du vent. Vous allez voir l'AIS classe B que j'ai fait installer. En tout cas une photo, voilà, c'est un Raymarine. Et ça, c'est ce qui protège tous les instruments qui se trouvent derrière la table à cartes. Et là, c'est l'axiome 9 qui se trouve au poste de barre. Et ça, c'est le nouveau pilote, le nouveau commande de pilote. Voilà, je ponce les rames parce que j'ai décidé avant de rentrer en Belgique de rénover un petit peu l'annexe. Les rames maintenant sont très jolies, il n'y a plus qu'à les vernir. Et je vais également repeindre le fond de l'annexe. Et je vais repeindre également le dessous de l'annexe. J'ai remplacé les drisses qui la hissent et j'ai fait mettre le moteur à l'entretien. Vous voyez, c'est nettement plus propre, nettement plus joli. Petit coup de drone, voilà notre bateau vu d'en haut. Il n'est pas encore tout à fait fini. L'année prochaine, nous allons faire les grandes finitions, c'est-à-dire le gréement courant. Peut-être encore quelques autres petits détails à gauche et à droite. Et bien sûr, l'anti-fouling avec l'époxy. Oui, là, je monte le dessous, c'est parce que j'ai simonisé l'entièreté du dessous du bateau. Il brille comme un sous-neuf. Voilà, ça c'est ce qu'on voit avec un drone, ce qui entoure le chantier. Là, ce que vous voyez, c'est le dessus de mon mât. Et vous allez voir une petite vue de la région. Voilà, j'espère que ce petit film vous a donné 2-3 idées de rénovation pour votre bateau. J'espère que ce petit film vous a plu. Si oui, pensez à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours plaisir. La saison 2024 verra la fin de la rénovation et la mise à l'eau du bateau, durant le mois de juin, je pense. À bientôt et merci de nous avoir regardés.